La souffrance est parfois un fléau, parfois un cadeau, et qu'on peut toujours s'arranger pour qu'elle tourne du bon côté. La douleur, certes, ça vous fait souffrir, mais ça ne vous détruit pas. Le problème, c'est la solitude engendrée par la douleur. C'est elle qui vous tue à petit feu, qui vous coupe des autres et du monde, et qui réveille ce qu'il y a de pire en vous. Rien ne ressemble tant au malheur que la solitude. La solitude est parfois dangereuse et très addictive. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur TV. À suivre au cours de cette émission matinale, les grandes décisions issues du Conseil des ministres d'hier, tenues sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. L'honorable Mathieu Adjovi est élu premier président de l'Organisation régionale des interprofessions de coton. Vous en saurez davantage au cours de cette matinale. Les fidèles musulmans ont démarré ce jour le jeûne musulman à travers le mois de Ramadan. Vous en saurez davantage sur l'importance et la portée du jeûne musulman avec les explications que nous apporte ce matin l'imam Mohamed Sadikou au cours du bulletin matinal d'information. Pour ce qui est du sport, en ouverture à la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, les Guépards du Bénin ont été tenus en échec par les Amavubis du Rwanda hier à Cotonou 1-1 dans le cadre du tournoi de lutte africain des pays de l'espace CE2AO. Le Bénin est en nette progression. Colombe Oussou nous en donnera des détails au cours de sa présentation des sports. La rubrique définition du jour de ce matin nous fait découvrir le sigle UMA qui veut dire Union du Maghreb arabe, le contexte de création, le rôle et la mission de l'UMA vous seront présentés par le chroniqueur. Au regard des prédictions astrologiques recueillies ce matin par Nasrine Fatoumbi, les amis du signe Bélier sont les plus chanceux ce jour. Natif du signe, vous seriez en bonne forme et plein d'énergie, ce qui vous permettra de réaliser plusieurs tâches importantes. Votre créativité et votre imagination n'auront pas de limite, alors sentez-vous libre d'explorer des idées intéressantes. Voilà l'essentiel. La retenue du sommet de ce matin, chers amis internautes, on démarre juste après cette pub de l'ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gwedjoumendé, à Boumé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveau bachelier, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, promotion et soutien financier aux jeunes entreprises au Bénin. Le président Patrice Talon lance le label Startup. Il s'agit d'une disposition qui permettra au gouvernement de soutenir ou de faire soutenir les jeunes entreprises évoluant dans le secteur des nouvelles technologies en leur offrant un cadre réglementaire propice à l'identification et à la labellisation. Des précisions sur l'article en page 3. En deuxième de titre à la une de l'informateur de ce jeudi matin, Institut national de la femme, après Claudine Afiavi-Prudencio, les statuts révisés, des précisions à la page 4. Toujours à la une du journal L'Informateur de ce matin,
pose de plaques d'identification dans la zone de dragage de Jongji, Hong Kong. José Tonato met en garde les auteurs des précisions sur l'article à la page 6. Nous passons à présent au quotidien de service public ce matin. Mémorandum d'entente entre le Bénin et les Émirats arabes unis, les fruits d'une dynamique diplomatique. Vous avez en illustration quelques images assez expressives publiées en manchette. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, information sur les violences basées sur le genre, de nouvelles possibilités pour l'Institut national de la femme. L'article à retrouver à la page 3. Amélioration de la relation client et gestion des plaintes. La SB2E, Société béninoise d'énergie électrique, lance un centre d'appel gratuit ouvert à plein temps. Être plus proche de sa clientèle et répondre diligemment à ses préoccupations. C'est dans ce but que la Société béninoise d'énergie électrique, SB2E, a mis en place un centre d'appel dont la ligne est gratuite et ouverte à tout moment. Cette nouvelle interface sise dans l'enceinte de la direction générale de la SB2E a été officiellement lancée mardi 21 mars dernier par Donan Jean-Claude Oussou, ministre de l'énergie, peut-on lire à la une de La Nation de ce matin. L'article est à retrouver dans son intégralité à la page 11 de la livraison du jour. Millennium Challenge Account Bénin, avis d'attribution des contrats de novembre-décembre 2022 et février 2023, des précisions à la page 12. Fraternité ce matin en manchette, double confrontation entre les guêpes du Rwanda, les guépards dans un guêpier. Gernot Ror, déçu du résultat mais satisfait du jeu, retrouvez l'article à la page 6 de la livraison du jour. Le journal fait savoir néanmoins à travers sa manchette que le Bénin a manqué une bonne occasion de se relancer dans son groupe de qualification à l'occasion de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Un raté de trop qui peut être fatal aux guépards qui n'ont pas pu se défaire du Rwanda, bien faible ce mardi. La bande de Gernot Rohr a dû se contenter d'un match nul 1-1, difficile à digérer pour les jaunes. La team béninoise a livré la meilleure prestation de ces trois dernières années à domicile. En dehors des 15 premières minutes de tergiversation plutôt fatale, la rencontre a été maîtrisée de bout en bout. En effet, les guépards ont mal démarré le match en encaissant un but à la 13e minute de jeu, sur la deuxième offensive rwandaise. Retrouvez la suite, j'allais dire, de ce compte rendu de cette rencontre footballistique à la page 6, comme je l'annonçais tantôt. L'imam Roujdan Harounan Pakpei à propos du jeûne musulman. Le mois du Ramadan est un moment de délivrance et de demande de pardon à Allah. Peut-on retenir de ces propos, retrouver l'intégralité de ces propos à la page 4. Le matinal ce matin en manchette parle de non-désignation des successeurs des maires élus. Députés, l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain jouent la prolongation. Les législatives du 8 janvier 2023 ont consacré l'élection au rang de député de certains maires candidats sur les listes de leur parti politique. Plus d'un mois après l'installation de la nouvelle législature, les nouveaux maires devant être désignés par les partis au terme de la loi ne le sont toujours pas. Une situation qui suscite moult interrogations au sein de l'opinion. Toujours à la une de Le Matinal de ce 23 mars 2023, match nul du Bénin face au Rwanda dans le cadre des éliminatoires CAN 2023. Les guépards pêchent par manque de réalisme. Matin libre ce matin en manchette, prison civile d'Akpro Misrété, Ricky Amadougou, son avocat empêché de visite. Lutte anti-tabac au Bénin. Entre défaut d'audace et le carcan des accords, le puissant lobby des industries du tabac plombe les efforts. Des précisions sur l'article du journal aux pages 6, 7 et 8. Nous passons à présent au journal Le Béninois Libéré qui titre ce matin en manchette. Exécution du projet d'assassinat de Ricky Amadougou à Misrété, liste des tortures infligées à l'ancienne ministre de la Justice, comment peut-on dire à son avocat de la voir, écrit le journal. La réaction de ses camarades de Les Démocrates pour dénoncer la rupture attendue, retrouvez les motivations de ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui propose ce matin en deuxième du titre à sa une, mois de Ramadan, l'appel de Abla Biotiane à cultiver certaines valeurs. Le matin, ce matin en manchette,
coopération sino-béninoise, un mémorandum d'entente signé entre le Bénin et la CAD Fund, des précisions sur le journal dans les colonnes de sa parution du jour. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, le Bénin accrédité au statut A de Gwangri, Patrice Talon reconnaissant des mérites de la Commission béninoise des droits de l'homme. Le Grand Matin, ce matin, en deuxième des titres à la une, promotion de la femme, les statuts de l'Institut national de la femme modifiés, des précisions à la page 2. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, fait divers, le pasteur m'a violé et voulait le refaire, c'est pourquoi j'ai sauté d'un immeuble de 2 étages. Un élève de cours primaire enceinte son institutrice, des précisions à la page 8. Info Matin, à présent en manchette, après la condamnation de Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale, qui ou quelle pression l'obligerait à comparaître, s'interroge le confrère. Gaskiani, info, libération de Madougou et Aïvor. Et si on écoutait Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République du Bénin. Le premier quotidien économique du Bénin en manchette ce matin, présentation du bilan 2022 de la commission de l'UEMOA aux députés du CIP de l'Union. Progression de 8,9% des recettes totales et dons dans l'UEMOA, 56,9% de taux d'endettement dans l'UEMOA en 2022. Le Figaro ce matin en manchette parle de l'organisation des interprofessions de coton. Mathieu Adjovi élu président de l'ORIC UEMOA. Des précisions sur cette brillante élection à la page 2 de la page ce matin du journal. L'événement du jour, quant à lui, propose ce matin à ses lecteurs en manchette, cas d'anarque relatif au microcrédit à la FIA, le gouvernement renforce le dispositif de lutte et alerte les citoyens. Institut national de la femme, les statuts révisés de l'Institut adoptés en Conseil des ministres. Des précisions sur le compte rendu du Conseil des ministres cette semaine à la page 3 de la livraison du jour. Les 4 vérités ce matin en manchette, Conseil des ministres, Institut national de la femme, les statuts de l'INF révisés, ses actions renforcées, le gouvernement déterminé à œuvrer plus efficacement pour la promotion de la femme. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, organisation régionale des interprofessions de coton, le béninois Mathieu Adjovi est le président de l'ORIC UEMOA, des précisions à la page 12. Journée internationale des droits de la femme 2023, Madame Adisatou Dei Ama rend hommage aux femmes Lumana au Bénin. Près de 500 femmes lumanistes réaffirment fidélité et engagement à leur leader Ama Amadou. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, comité interparlementaire de l'UEMOA, l'honorable Richard Soron, élu vice-président. Le pays émergent ce matin en manchette, 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Guépards tenus en échec 1-1 par les Amaoubis. La CAN s'éloigne peu à peu du Bénin. Déception et beaucoup de regrets pour le sélectionneur Génaud Rohr. Des précisions dans les colonnes de la page automatique du journal qui publie en illustration en manchette quelques images prise en situation lors du déroulement de cette rencontre footballistique. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, pour escroquerie dans une affaire de vente de boutique à Dantokwa, le tribunal requiert 2 ans contre un agent d'appui de la société de gestion des marchés autonomes Sogema. Toujours à la une du même journal ce matin, prison civile d'Apro Misrété, Rikia Madougou interdite de toute visite. Sa maman, ses enfants et son avocat n'en reviennent pas. L'autre vision à présent ce matin en manchette parle de traitement rapide des doléances des clients de la SB2E. Le ministre Jean-Claude Oussou lance officiellement le Call Me SB2E, son 1302, un numéro vert au service de la clientèle de la SB2E. Toujours à la une du même journal ce matin, nouvelle adhésion au parti Union progressiste Le Renouveau. Élie Gauguin s'engage pour la réussite du second mandat du président Patrice Talon. L'autre quotidien ce matin en manchette, phase éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023, Bénin-Rwanda 1-1. Les Guépards décevants condamnés à l'emporter lundi prochain à Cotonou. Dynamisme Info ce matin en manchette parle du présidentiel de 2026. Un bon casting de l'opposition pour déjouer les plans de la continuité. Retrouvez l'analyse du journal à la page 4 de sa livraison de ce matin. Série d'accidents mortels sur les routes au Bénin. Le spécialiste de l'éducation routière Firmin Obouillon appelle à la faire priorité
à la prévention. Nous passons à présent au quotidien palmarès. Éliminatoire Cannes 2024, le Bénin et le Rwanda se neutralisent 1-1 à Cotonou. Toujours à la une du même journal ce matin, conclave hebdomadaire du gouvernement, mesure spéciale pour la promotion des startups au adoption des statuts révisés de l'INF et 6 nominations, retient le journal qui vous invite à lire à la page 4 de sa livraison l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine. La Nouvelle Gazette ce matin en deuxième de titre à la une. Démarrage du jeûne musulman ce jour. Rachidi Moumouni Raimi souhaite un bon mois de ramadan aux musulmans du monde entier. Le président directeur général de Zama Art et Décoration souhaite qu'Allah accompagne nos projets les plus nobles pour le développement de notre pays. Toujours à la une du même journal ce matin, enchaînement des matchs par nos équipes nationales, le nom Guépard peine à combler l'attente des Béninois. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information avec Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi 22 mars 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a décidé de la modalité d'octroi du label start-up aux micro, petites et moyennes entreprises et les droits et obligations y relatifs, de l'adoption des statuts révisés de l'Institut national de la femme, de l'approbation des statuts de l'Agence pour la réhabilitation de la cité historique d'Abomey, de la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant amendement de la loi du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest dans le domaine de la communication, en outre la contractualisation pour la mission de conception, construction, livraison et assemblage des sculptures représentant des scènes de personnages à poser sur la place, aux enchères et autour de l'arbre de retour, de l'arbre de non-retour, pardon, à Ouida. Je vous invite à suivre le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbédi, pour plus de détails. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, modalité d'octroi du label start-up aux micro, petites et moyennes entreprises et les droits et obligations y relatifs. Les start-up évoluent généralement dans le secteur des nouvelles technologies, souvent sur Internet. Ce sont de jeunes entreprises avec un fort potentiel de développement et un modèle économique qui intègre en grande partie des solutions numériques et ou innovantes pour la résolution des problématiques dans la société. En début d'activité, ces entreprises éprouvent des difficultés à convaincre les partenaires financiers et ont besoin d'être accompagnées sur ce plan, de même que sur des aspects techniques, afin de faire face aux défis de l'innovation. C'est donc pour les aider à surmonter ces désagréments que le présent décret est adopté. Il permettra d'offrir un cadre réglementaire propice à l'identification et à la labellisation des start-up. À cet effet, il est institué un comité technique qui a pour mission l'octroi du label start-up aux micro, petites et moyennes entreprises et qui, dans ce cadre, est chargé de recevoir et étudier les dossiers de candidature, publier périodiquement la liste des start-up labellisées, notifier les décisions issues de l'étude des dossiers aux entités lauréates du label, prononcer les décisions de révocation du label octroyées aux start-up. Les ministres concernés veilleront à l'opérationnalisation diligente du présent décret. En point 2, adoption des statuts révisés de l'Institut national de la femme. Dans sa détermination à œuvrer plus efficacement pour la promotion de la femme et la protection de ses droits fondamentaux, le gouvernement a décidé du réaménagement des statuts de l'Institut national de la femme pour lui permettre de s'engager dans une nouvelle dynamique de renforcement de son action d'information, de sensibilisation, de vulgarisation,
de communication et de lutte implacable contre les violences basées sur le genre et toutes les formes de discrimination à l'égard des filles et des femmes. Pour y parvenir, l'option est faite de procéder à l'intensification des actions menées jusque-là et de mettre en place une organisation à même de faciliter la remontée d'informations en vue de la répression effective des infractions relevées. Pour ce faire, l'Institut installera des points focaux formels et non formels qui seront ses véritables relais dans les différents milieux sociaux professionnels. Ceux-ci seront présents dans toutes les localités, les centres de promotion sociale, les services et établissements publics, notamment les centres de santé, les écoles, les lycées et collèges, les universités. Il en sera de même dans les structures relevant du privé, dont les entreprises. Ces points focaux, assurant ainsi le maillage du territoire national, auront en charge la transmission des informations sur les violences basées sur le genre aux antennes départementales de l'Institut national de la femme pour davantage d'efficacité. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant amendement de la loi du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest et approbation des statuts de l'Agence pour la réhabilitation de la cité historique d'Abomey, Archa. Au titre des communications, contractualisation pour la mission de conception, construction, livraison et assemblage de sculptures représentant des scènes de personnages à poser sur la place aux enchères et autour de l'arbre du retour à Ouida. Il s'agit de sculptures en bronze d'une hauteur de 2 mètres représentant 3 scènes de personnages posées sur des socles en béton armé, dont 2 à la place aux enchères et 1 autour de l'arbre du retour. La scène de marquage au fer rouge, constituée de 2 personnages, et celle de la vente aux enchères composée de 5 personnages seront installées sur la place aux enchères. Quant à la scène autour de l'arbre du retour, elle comprend 5 personnages. Ces réalisations représentent des captifs déportés vers les rives des Amériques et évoquant des souvenirs d'une tragédie dans le cadre de la traite transatlantique. Elles sont destinées à conforter la dynamique touristique en cours dans la ville de Ouida. Il est prévu qu'elles soient installées notamment sur la route de l'esclave et plus précisément au niveau de la place aux enchères et du village de Zungbodji où se trouve le mémorial de l'arbre du retour. Les ministres concernés accompliront toutes les diligences en vue de la réalisation des sculptures et des socles destinés à les porter. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 20 au 24 mars 2023 de la 21e session de la commission mixte militaire bénino-belge, puis la participation du Bénin à la réunion des ministres chargés de l'énergie de la CEDEAO du 22 au 24 mars 2023 à Bissau, en Guinée-Bissau, ainsi qu'à l'atelier régional de validation du plan stratégique 2023-2027 du centre de la CEDEAO pour le développement du genre à Accra, au Ghana, du 27 au 30 mars 2023. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations au ministère du Développement et de la Coordination de l'Action gouvernementale, au ministère de la Justice et de la Législation, au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Des précisions avec le porte-parole du gouvernement. Les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère du Développement et de la Coordination de l'Action gouvernementale. Directeur des systèmes d'information, M. Liamini Laguidé. Au ministère de la Justice et de la Législation. Directeur adjoint de l'École de formation des professions judiciaires, M. Marc Deguenon. Conseil technique au suivi des processus politiques et législatifs, M. Yacoub Maxime Benda Boni Adamou. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, directrice de l'Agence territoriale de développement agricole du Plateau, Mme Baké Tunkara Madeleine Lafia Mora.
directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Mono, M. Aboubakar Ouabi, secrétaire technique permanent du Conseil national d'orientation et de suivi du secteur agricole, Madame Diane Roselyne Akwemaho Djossinou, je vous remercie. L'honorable Mathieu Adjovi est depuis le mardi 21 mars 2023 le premier président de l'Organisation régionale des interprofessions de coton. L'élection a eu lieu à Abidjan lors de l'Assemblée générale constitutive de l'Organisation régionale des interprofessions de coton des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ORIC-UEMOA. Dans sa mission, le Béninois sera accompagné d'un secrétaire général de nationalité malienne. Le poste de trésorier général est occupé par la Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans démarrent le mois de Ramadan ce jeudi 23 mars 2023. À cet effet, une équipe de la rédaction de ESAE TV s'est adressée à l'imam Souhala Mohamed Sadikou de la mosquée centrale Iré Akari Sautier de Cotonou, qui expose l'importance et la portée du jeûne de Ramadan. Suivons-le au micro de Francis Fahami et de Quentin Amoussou. Le jeûne du mois de Ramadan. Tout d'abord, ce mois qui va débuter demain, c'est un mois spécial. C'est un mois de grâce. C'est un mois plein de miséricorde d'Allah. C'est un mois de rachat pour un musulman fidèle. Ramadan, c'est une adoration spéciale. C'est à partir de là qu'on mesure la sincérité du musulman, du croyant, pour dire que je suis un fidèle musulman. Le mois de Ramadan est une école qui nous apprend beaucoup de choses. Le mois de Ramadan pour le musulman, c'est un mois d'une ouverture spéciale de l'année qui vient pour le musulman. C'est un mois de correction, d'apprentissage, de comportement qu'un musulman doit avoir dans la société. L'esprit de fidélité, un. Deuxième chose, l'esprit de solidarité. Troisième chose, l'endurance. Un musulman doit être endurant, sincère, fidèle, exemplaire par son comportement. Le mois de Ramadan vient nous apprendre comment on doit se comporter toute l'année normalement. En fuyant tout d'abord le blâmable, tout ce qui est interdit par Allah, qui n'est pas bon, parce que c'est lui qui nous a créés. Voilà. Le mois de Ramadan veut te dire que tu es croyant. Aujourd'hui, tu veux devenir un bon musulman. Un croyant peut tout faire. Il croit, mais il n'est pas allé au-delà de cette croyance-là dans ses comportements. Oui, il n'est pas allé au-delà. Il croit, mais il vole, il ment. Il fait tout ce qui est blâmable, qui peut nuire à la société. En tant que musulman, le mois de Ramadan est venu lui dire stop. Restons toujours avec l'imam Souhala Mohamed Sadikou. Et je vous invite à le suivre à présent pour les vœux de bon début de Ramadan de l'imam à l'endroit des fidèles musulmans. Il est toujours au micro de Quentin Amoussou et de Francis Fahami. Le comportement d'un musulman doit être un comportement de paix, de quiétude. Il doit être un élément positif dans la société. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est une école. C'est une école d'une durée de 30 jours que le musulman doit se revoir,
doit se remirer et voir je suis à quel niveau. Mais Dieu a promis que si tu es sincère dans le mois, dans le jeûne de ce mois, tu auras la crainte de Dieu. Tu peux avoir la crainte de Dieu. Si tu jeûnes normalement, tu auras la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu deviens positif dans la société. Il doit se préparer à l'endurance. Tout d'abord, à l'endurance. Est-ce que je peux endurer? Ce qu'on appelle le ramadan, ce n'est pas seulement l'interdiction du blâmable. Même ce qui est licite. On te dit de ne pas manger. Manger n'est pas blâmable. Ouais. De ne pas regarder. Tout ce que tu devais faire, même ta femme, tu dois abstenir d'aller vers elle dans les 12 heures. Toutes ces habitudes normaux, tu les laisses dans les 12 heures. Tu ne manges pas, tu ne regardes pas, tu ne bois pas, tu ne fais pas tout. Vous comprenez? À cause de qui? À cause d'Allah. Juste pour mesurer la crainte. C'est une adoration sincère. C'est entre toi et le Seigneur seulement. C'est toi seul qui sais si tu jeûnes bien ou si tu ne jeûnes pas. Donc c'est une adoration qui ne concerne pas d'autres personnes. C'est pour ça que Dieu dit, je suis le seul qui peut récompenser le jeûneur. Je souhaite à tous les frères musulmans dans le monde entier un bon début de Ramadan. D'ailleurs, c'est le jour là, le premier jour du mois de Ramadan là, qu'il faut se souhaiter bonne et heureuse année. Le musulman, c'est ce premier jour là qu'il doit souhaiter à son prochain bonne et heureuse année. Parce que c'est le jour là que tu veux rouvrir une autre page, fermer l'autre page et rouvrir une nouvelle page. Ou que tu te sens vraiment musulman. Donc je souhaite à tous les musulmans du monde entier une bonne et heureuse année, un bon début de carême. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite et qu'il nous donne le fruit de ce jeûne du mois de Ramadan qui est la crainte de Dieu. Au finish, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous pardonne tous et qu'il nous compte parmi ceux-là dans quelques heures qui vont débuter le mois de Ramadan dans la quiétude, dans la paix, dans la santé, dans la foi, et qui vont finir dans la joie, inshallah, et dans la croyance, inshallah, dans la foi. Une foi révérentielle qui va nous conduire loin. Qu'Allah facilite. Les femmes de l'Union progressiste Le Renouveau ont célébré en différé la Journée internationale des droits de la femme ce mercredi 22 mars 2023. À l'occasion, elles ont participé à une formation sur la gestion des crédits animée par la communicatrice Madeleine Atolou. Au terme de cette formation, elle fait le point au micro de nos reporters. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la Journée international des droits de la femme. Et maintenant, nous n'allons pas venir chanter, danser seulement et partir. Nous devons obtenir un plus de par les activités que nous menons. Donc, lorsque les femmes prennent les crédits, on a remarqué qu'elles ne savent pas, il y a certaines qui ne savent pas gérer. Donc, on s'est dit, il fallait qu'on fasse une petite formation, sensibilisation à ces dames-là. Donc, c'est dans ce sens que j'ai fait la communication sur les activités génératrices de revenus financées par le programme d'action du gouvernement. On leur a appris que lorsqu'elles obtiennent le crédit, d'abord, il faut mettre son argent dans un endroit sûr. Il faut assurer la maison, la propriété, les enfants, et puis prendre soin de son mari, prendre soin de ses enfants, afin d'avoir la joie à la maison. Parce que si tu n'as pas la joie dans ta maison, tu vas au marché, tu vas mal parler aux clients, et elles vont te laisser. Tous les clients qui vont venir vont te laisser. Bon, je suppose qu'il y a une dame qui est sortie de sa maison toute furieuse parce qu'elle n'a pas
elle ne respecte pas le mari, les enfants. Il n'y a rien, il n'y a que du désordre à la maison. Le mari est fâché, il n'y a pas la paix à la maison. Cette dame-là, quand elle sera au marché, il n'y a rien à faire. Elle va mal parler à ses clients. Mais lorsque tu parles mal à tes clients, tout au long de la journée, tu vas rentrer finalement le soir avec quoi? Rien. Le jour du remboursement, lorsque les autres vont vouloir rembourser parce qu'ils font des groupes solidaires. Maintenant, si dans un groupe de 5 personnes, c'est toi seul qui ne paye pas, tout de suite, tu pénalises le groupe. Et à la fin des remboursements, tu te pénalises toi-même parce que les autres ne vont plus vouloir te mettre dans leur groupe. Tu vas quelque part, on va te renvoyer du groupe. Tu vas quelque part, ils ne vont pas t'accepter. Donc, du coup, tu ne pourras pas avancer. Ton foyer aussi, petit à petit, va prendre un coup. Et finalement, tu vas te retrouver toujours derrière les autres. Donc, voilà un peu ce que nous avons enseigné aux femmes aujourd'hui. Un agent d'appui de la Société de gestion des marchés autonomes, SOGEMA, et deux de ses co-accusés étaient à la barre le mardi 21 mars 2023 au tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour des faits d'escroquerie. Selon les faits, les accusés ont vendu deux boutiques au marché d'Antokpa au prix de 5 millions de francs CFA à deux vendeuses qui n'ont jamais intégré les 10 locaux à la barre. L'agent d'appui a reconnu les faits. Les 5 millions de francs CFA perçus auraient servi à monter des dossiers d'aménagement de boutiques qui n'ont pas prospéré. Le ministère public a requis 2 ans de prison ferme et le remboursement des 5 millions de francs CFA contre les 3 accusés. En détention provisoire, les accusés retournent en prison en attendant la prochaine audience. Le juge a mis le dossier en délibéré pour le 18 avril 2023. Faits divers à présent dans cette édition. À Ruiho, un quartier situé dans le 11e arrondissement de Cotonou, une maison a brûlé hier mercredi 22 mars 2023 aux environs de midi. Le drame, d'après les informations, a eu lieu non loin de l'agence de la Société béninoise d'énergie électrique, SBEE, de ce quartier situé dans le 11e arrondissement de Cotonou. L'on ignore pour l'heure les causes réelles de l'incendie. À l'été, les sapeurs-pompiers se sont dépêchés sur les lieux. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais les dégâts matériels sont importants. Quelques heures après l'incendie, une voiture de marque Golf a été entièrement consumée en début de soirée encore à Cotonou. Le drame a eu lieu au carrefour du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Le véhicule était en provenance de Cotonou vers Godomé dans la commune d'Aboumé-Calavi. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Du fait de cet incendie, survenu quelques minutes après le match des Guépards face à la sélection rwandaise de football, la circulation sur le carrefour du stade de l'Amitié a été perturbée pendant quelques heures. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Et voilà, c'est l'essentiel à retenir du bulletin matinal d'information de ce matin. Chers amis internautes, on installe à présent Colombe Oussou pour la page des sports. Amis sportifs, bonjour. Dernier du groupe L avec 0 points moins 3 en ouverture de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le Bénin avait l'obligation de l'emporter face au 3e du groupe, le Rwanda, 1 point pour se donner un brin d'espoir. Mais les Guépards ont difficilement arraché le nul 1-1 face aux Amavubis hier mercredi au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Revivez les temps forts de la rencontre dans nos prochaines éditions. Nommé sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr a pris son temps pour mettre en place son staff technique avant d'aborder le premier match sur le banc des Guépards.
le franco-allemand a fait appel à ses hommes de confiance. Moussa Latongui, sélectionneur adjoint sous Michel Dussuyer, est maintenu à son poste avec Gernot Rohr. Jonas Bidé est remplacé au poste d'entraîneur de gardien de but par l'Italien Enrico Pionetti. Il était précédemment entraîneur des gardiens de but de l'équipe nationale du Nigeria. Le Français Jean-Luc Royer devient le préparateur physique en lieu et place de son compatriote Roger Propo. Il fut coach assistant chargé de la préparation et de la réhabilitation des joueurs de l'équipe nationale de football du Nigeria entre 2016 et 2020. Le Bénin dispose aussi d'un analyste vidéo en la personne de Nabil Trabelsi, qui avait occupé le même poste au Nigeria de 2016 à 2020. Toundé Adélakoun est quant à lui assistant et préparateur mental. Autre discipline présente au tournoi de lutte africaine des pays de la CDAO Tolac, qui a réuni 13 nations. Les lutteurs béninois ont séduit le public nigérien et certains entraîneurs de lutte à travers leurs belles prestations. Une prestation qui a permis au Bénin de terminer la compétition au pied du podium. Pour finir, quelques mois après leur élection à la tête de la Fédération béninoise de baseball et softball, le président Fernando Lavenir Atanon et ses pairs s'activent déjà pour la promotion de cette discipline au Bénin. Après la mise en place des ligues départementales, ils n'ont pas tardé à lancer la saison sportive à travers le championnat de la Ligue de Cotonou. L'objectif est de dénicher une équipe pouvant représenter le Bénin dans le cadre de la campagne sous-régionale des moins de 9 à 12 ans, dénommée Major Division, qui va regrouper 5 pays au Nigeria cette année. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colomoussou, pour cette présentation. À sa suite, on installe Kanté Amoussou qui présente la définition du jour. Bonjour amis internautes, UMA signifie Union du Maghreb Arabe. C'est une organisation économique et politique formée par les 5 pays membres du Maghreb, à savoir l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie ainsi que la Mauritanie. Le siège du secrétariat général de l'UMA est situé au Maroc à Rabat. La population totale des 5 États membres s'élevait à plus de 100 millions d'habitants en 2019. Son actuel secrétaire général est Taïb Bakouché. Fondé en février 1989, son objectif est de créer des rapports de fraternité entre les États membres et de faciliter la libre circulation des biens et des personnes. 20 ans plus tard, selon le discours officiel, l'Union du Maghreb arabe est aujourd'hui à l'évidence une réalisation géostratégique importante, mais dans les faits, elle n'a que d'influence, j'allais dire, sur la politique de ses États membres. Le Conseil des chefs d'État ne s'est plus réuni depuis 1994 et l'UMA reste prisonnière des différends entre chacun des pays, dont le conflit du Sahara occidental, en dépit de la création de l'Union de la Méditerranée. Merci pour l'attention. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation. Place à présent à Nancyrine Fatoumbi qui présente les prévisions astrologiques du jour. Heureuse de vous retrouver. Bonjour amis internautes, bienvenue dans votre rubrique Horoscope du jour. Bélier, vous serez en bonne forme et plein d'énergie, ce qui vous permettra de réaliser plusieurs tâches importantes. Votre créativité et votre imagination n'auront pas de limites, alors sentez-vous libre d'explorer des idées intéressantes ou des projets passionnants. Amis Taureau, vous aurez l'opportunité de profiter d'un peu de temps libre et vous devrez en profiter pour vous relaxer et prendre soin de vous-même. Néanmoins, il est important que vous assumiez des responsabilités supplémentaires si elles s'offrent à vous. Gémeaux, votre détermination et votre esprit brillant devraient être suffisants pour obtenir des résultats souhaités aujourd'hui. Évitez autant que possible les disputes inutiles car elles ne feront qu'entraver votre progression. Ce serait une bonne idée de faire preuve d'une certaine flexibilité.
Natif du signe Cancer, votre travail connaît une période prometteuse avec Vénus. Vos compétences sociales seront plus importantes que jamais. Alors, essayez autant que possible d'utiliser votre charme naturel pour obtenir ce que vous voulez, mais faites attention à ne pas franchir la ligne rouge. Lion, cette journée peut être une excellente occasion d'améliorer vos relations personnelles. Profitez-en pour créer des liens plus profonds avec vos amis et votre famille, qui sont les fondations solides d'une vie riche et épanouissante. Chers amis vierges, vous serez capable de réaliser avec succès tout ce que vous allez entreprendre aujourd'hui. De plus, il aura beaucoup d'opportunités à saisir et des projets à mettre en place. Votre perspicacité et votre intuition vous permettront d'avancer rapidement et efficacement vers l'atteinte de vos objectifs. Balance, vous aurez l'occasion de vous laisser guider par votre intuition et d'accéder à des réponses intuitives. Votre esprit analytique se manifestera de manière plus puissante que d'habitude, ce qui vous donnera le moyen de voir clairement les différentes options disponibles devant vous. Scorpion, à présent, votre capacité à vous adapter aux changements soudains sera mise à l'épreuve aujourd'hui. Alors gardez la tête froide et cherchez le côté positif des choses. Votre combativité naturelle devrait être très utile aussi bien en affaires qu'en amour. Sagittaire, votre capacité à communiquer avec succès sera très utile ce jour car elle peut vous ouvrir des portes vers des opportunités intéressantes qui pourraient bien transformer votre vie. Évitez donc d'avoir peur du changement et profitez pleinement des possibilités qui se présentent à vous aujourd'hui. Ami Capricorne, c'est une bonne journée pour prendre un nouveau départ ou pour commencer de nouvelles entreprises commerciales ou professionnelles car cette configuration astrologique vous donnera une grande initiative et ambition. La chance sera au rendez-vous. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous allez vivre des moments intenses car votre capacité à comprendre le monde et ce qui se passe autour de vous sera renforcée. Les changements positifs que vous apportez seront reconnus par les autres, alors profitez-en pour aller plus loin. Poisson, pour finir, vous allez bénéficier d'un flux d'énergie positive et optimiste qui vous aidera à voir le côté positif des choses et à progresser dans votre carrière ou vos objectifs personnels. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Et voilà, chers amis internautes, qui mettent un thème à Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZAE TV. On se retrouve demain, vendredi, par la grâce et la volonté divine.